bonjour et bienvenue sur ma chaîne Norma Chris. Voilà, je suis pas maquillée du tout. C'est juste pour vous montrer, en fait, je vais vous faire un tuto sur un petit masque de beauté, un petit masque de soins avec juste deux ingrédients. Donc, de l'argile blanche, voilà, de l'argile blanche, en fait, voilà, que moi j'achète sur Aromazone, en fait, l'argile blanche et de la poudre d'amla. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, il faut juste ça en fait, et de l'eau bien évidemment. Voilà, donc écoutez, rendez-vous pour le tuto, je vous montre comment. Alors, ce qu'il nous faut, donc toujours comme je vous ai précisé dans ma vidéo sur la poudre, le shampoing, il faut toujours en fait désinfecter donc à l'alcool ces produits. Donc moi je vais utiliser, comme ça en même temps vous voyez, ça j'en ai pas besoin, hein. Donc je vais utiliser ce petit, c'est tout petit, regardez ma main, c'est tout petit en fait. J'ai eu sur Aromazone, donc voilà, ce qui va me permettre en fait de mettre mon produit à l'intérieur, parce qu'il m'en faut pas beaucoup, c'est juste pour mon visage. Voilà, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait ça, vous savez, c'est les trucs en silicone la sauce, des trucs comme ça. Mais écoutez, ça marche super bien quand il faut l'étaler aussi sur le visage. Donc du coup, moi c'est ce que je fais. Je prends ça. Donc celui-là c'est un grand, j'en ai un autre un peu plus petit. Mais bon, il fera l'affaire celui-là. Donc voilà, si vous voyez, voilà. Et en fait, il est comme ça. Voilà, c'est en silicone. Voilà. Et en fait, ça a la particularité de bien pénétrer. Donc du coup c'est super pratique. Je vais aussi utiliser un petit verre doseur en fait. Je sais pas si vous voyez là, un petit verre doseur en fait, voilà. Il fait juste donc 10 mg en fait. Voilà. Parce que le temps que je parle en fait ça sèche. Un petit fouet, mon petit fouet, chouchou chéri. Voilà, au préalable, hein, je me suis bien lavé les mains. Voilà, et puis une cuillère, hein, ça sert toujours. Une petite cuillère, voilà, une cuillère. Voilà. Et donc, je vais commencer donc avec les poudres. Alors moi, l'argile blanche. Donc cette argile apaisante et décongestionnante est particulièrement adaptée aux peaux sèches, sensibles et aux ou irritées et aux peaux matures. Donc moi j'ai la peau mature, j'ai la peau irritée, j'ai des boutons. Moi l'argile verte ça ne me convient pas parce que ça me fait des rougeurs. Donc du coup j'utilise, donc elle est adoucissante et apaisante. Donc moi j'utilise tout le temps en masque. Et j'adore utiliser en masque la poudre donc d'Amla, la poudre d'Amla que voilà. Vous voyez rien en plus, la poudre d'Amla est bon, je vous ai montré tout à l'heure. Donc celle-là en fait, on peut l'utiliser en soins capillaires, mais là en fait elle est riche en vitamine C, c'est un régénérant puissant, et elle illumine le teint, le purifie et nettoie l'épiderme. Et donc moi c'est ce qu'il me faut, quoi. Donc, je la mets pas trop pleine parce qu'en fait j'ai pas besoin de... Voilà, je fais moite-moite en fait. Donc, voilà. Là, j'en suis à 4. Donc, il m'en faut encore un peu. Ouais, 4, ce sera... Je pense que 4, ce sera suffisant d'argile blanche. Non, bon, j'ai dit 4. Ouais, ça sera suffisant. 4, donc ça c'est bon pour l'argile blanche. Hop, je referme à chaque fois, hein, parce que les poudres, faites attention avec les poudres ayurvédiques, hein, parce que ça, elles sont très solubles dans l'air. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que après, on s'étouffe. Donc voilà, et donc je vais faire pareil. Donc là, à mon avis, je vais prendre une cuillère en fait. Donc je prends mon amla. Et donc là, je pense qu'en amla, en fait, comme j'ai besoin de plus de purification et de trucs, je vais mettre
Voilà. Donc là, j'en suis à 4 aussi. À 4 aussi. Voilà, 4, 4. Donc en fait, je mets 8. 8 mg. Ça, hop, je mets. Voilà. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Ping. Voilà, ça va être vite fait. Hein. Ça, je ferme. Donc, moi, je mélange mes poudres, en fait, comme vous voyez. Voilà, moi, je les mélange entre elles, en fait. Et puis, je mets rien d'autre, hein, parce que ça sert à rien. C'est un masque... Voilà, et ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc, de l'eau, soit déminéralisée, soit en bouteille. Pas l'eau du robinet, elle est trop calcaire, en fait. Chez moi, en plus, elle est super calcaire. Donc, je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que j'obtienne la pâte que je désire, en fait. Donc, je mets un tout petit peu d'eau et je mélange. Je mélange. Donc, forcément, ça fait des grumeaux. Vous voyez. Là, donc, je mélange. Ah, il y a là. Il y a pas assez d'eau. Je vais en mettre encore. Hop. Vous allez petit à petit, hein. Mollo, hein. Mollo, hein. Faut y aller petit à petit, hein. Franchement, faut pas que j'en renverse aussi en même temps que je vous montre parce que ça va pas le faire du tout. Donc, je fasse genre comme ça. Donc, on voit pas. Comme ça. Donc voilà, là, je pense que j'ai assez d'eau en fait. Voilà, parce qu'en fait, il faut que ce soit. Alors, il faut que ce soit liquide. Mais il faut que ce soit aussi. Il faut que ce soit liquide, mais il faut que ce soit aussi, je sais pas, un peu pâteux. Vous voyez? Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, hop, on se retrouve pour l'étalage. Ça va être génial. Donc voilà, on a juste besoin de ça en fait. C'est super rapide, pratique, génial. Donc, je mets pause et puis je reviens. Donc voilà. Me revoilà donc pour l'étalage. Alors pour l'étalage, bon comme j'ai pas envie de machiner mes cheveux, alors là avec cette lisse, cette brosse là, chaque fois j'en parle, mais j'ai encore les cheveux lisses, alors je comprends pas. Donc ben, on va se mettre un joli joujou. Ce que je fais, c'est que ben avec mon j'ai mon petit, donc j'ai ma préparation, j'ai mon petit pinceau en silicone. Donc ce que je fais, et ben je trempe. Franchement, je mets tout. Vous voyez, regardez, c'est suffisant en fait. 4, 4, 8, c'est génial. C'est vraiment le truc idéal. Donc là, du coup, ce que je fais, c'est que ben, comme il y a l'argile, forcément, ça va sécher. Donc je vais attendre que ça sèche. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous attendez que ça sèche, mais vous attendez pas que ça se craque à la mort parce que c'est pas bon pour le visage. Donc quand vous voyez que c'est sec, mais pas, vous n'êtes pas craquelé, ben là, en fait, vous le rincez. Je ne vais pas vous montrer le rinçage. Moi, je le laisse environ 20 minutes. C'est 20 minutes, ouais, c'est le temps que ça prend pour sécher à peu près. À peu près, hein. Mais bon, vous le sentez. Donc, à tout à l'heure. Merci.
coiffe, vous voyez, j'ai beaucoup de boutons et tout, donc il faut qu'il sèche en fait. Je vais enlever ça parce que bon, du coup, j'en ai plus besoin. Voilà, mais bien, c'est bien utile hein, parce que comme ça, au moins, je n'en mets pas partout. Donc, j'ai bien rincé et donc, je vous montre, je fais un petit zoom en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Ben voilà, en fait, ça illumine un peu le teint. Si vous voyez la différence en fait entre avant et après. Donc, j'ai la peau beaucoup plus douce. Beaucoup plus douce et en fait voilà pourquoi j'utilise de l'argile blanche parce que je rougis de suite moi, donc moi si j'utilise l'argile verte c'est la catastrophe ou même bon les autres argiles en fait je suis assez sensible au niveau de la peau donc du coup voilà. Par contre la poudre d'Alma ben elle donc là la luminosité elle est en train de, je sais pas ce qu'elle me fait, il va pleuvoir, oh, il va pleuvoir, donc voilà. Et donc du coup ben en fait voilà ben ça fait ça en fait. Ici au niveau du front on voit que c'est un peu plus clair. Voilà, j'ai un peu encore des rougeurs. Mais écoutez, ce masque il marche super bien avec seulement deux poudres, donc l'argile blanche et la poudre d'Anna. Donc surtout, moi je les achète sur Aromazon. Je vous mettrai en barre d'infos donc tout ce que les deux liens. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà, moi je vais rester comme ça aujourd'hui en mode tranquille pépère, je ne me coiffe pas. J'ai fait mon petit masque, je laisse ma peau respirer. Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt sur ma chaîne Normacris. À bientôt, hein. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous hein, quand même. Hein. Allez, à bientôt, merci.